Voilà, si le filon n'est pas trop gros, c'est très dur de s'arrêter de prendre du charbon. Le sulfure, je m'en fiche. Soufre, sulfure. J'en sais rien d'ailleurs, le soufre est-il le sulfure? Voilà une bonne question. Ah oui, on avait dit qu'on grimpait un petit peu en haut. Yep, alors il y a toujours un champignon. Alors voilà, je vais monter en smart moving mode. Ça me permet de ne pas avoir à sauter. Voilà. Bon bah ces champignons on en a plein. Voilà, ceux-là par contre on n'en a pas plein. J'en ai combien actuellement? J'en ai 8, si c'est suffisant. Je viendrai en rechercher au besoin. Et oui mais toi j'ai pas de quoi prendre ce que tu peux me donner. Donc on va revenir après. Champignons là, un là, ils ne se reproduisent pas, visiblement. Pour l'instant, les petits champignons rouges. Un oiseau. Alors, il va falloir que je redescende. Et voilà, et là je suis à la maison. On va poser tout ça, hein. J'ai besoin de faire de la place. Alors, voyons voir. Alors déjà, on va reposer deux, trois choses, genre ça. Ça, c'est la magie. Ça, c'est tous les blocs que j'ai pu ramener. Ben, firlog, voilà, puisque j'avais dit que je gardais ceux qui étaient en cadran. Ensuite, il y a de la nourriture. Alors, donc, mushroom, oui, donc à replanter. Voilà, des buissons. Donc, j'ai déjà blueberry, blackberry. Donc, je peux déjà faire des. J'ai deux types de buissons différents. Donc, j'ai deux, théoriquement deux sources infinies de deux baies différentes. Alors, les blackberries, j'en remets. Les blueberries, pardon, les blackberries, j'en remets. C'est à peu près tout. Alors, ouais, quand j'ai une pile complète, j'en fais des planches. Voilà. Que je vais peut-être garder avec moi, je sais pas trop où je vais les laisser. Oh ma foi, j'en sais rien. Je vais laisser ça. Voilà, je vais prendre que des planches, ça suffira. Et ce qui est donné par les mobs, c'était là-dedans. Voilà, les divers. Les yeux. Bon, je crois que c'est bien. J'ai gardé des pommes, des salades de fruits. Je suis bien. Maintenant, il me faut une hache. Et je n'en ai pas. J'étais persuadé d'en avoir. Eh bien, écoutez, on va en faire une. Il est possible que j'en ai eu une. Et. Oh, aïe, aïe, c'est la nuit. Zut. Bon, ben, c'est ce qu'on va faire. On va faire de l'or. C'est ce qu'on voulait faire au départ. Donc, ouais, faut être efficace. Et là, c'est mal barré. Donc, l'or est ici. On va en refaire plus parce que ça ne suffira pas. Donc, je reprends un petit peu tout ça. Voilà, et on va voir comment faire de l'or. C'est assez facile. On va dans l'atelier d'artisanat. Rappelez-vous que le fer, c'était comme ça avec une croix en poudre magique et un losange au centre. Voilà. Là, c'est l'inverse. Donc, on fait une croix en poudre de pierre et un losange en poudre magique. Donc, losange en poudre magique. On va refaire un deuxième. Et une croix en poudre de pierre. Et là, on obtient de la poudre d'or. On va cuire. Il y en a 8. Voilà. J'ai refait le plein de. Et voilà. Et avec ça, on va pouvoir 1. Faire une épée en or. Bah oui, c'est important. Oui, voilà, comme j'avais plein de bois, ce que je vais faire quand j'ai un truc comme ça, je mets des planches qui ne me servent à rien. Les planches de sapin, par exemple. Il prend ce qu'il veut là-dedans, je m'en fiche, et il en cuit. Comme ça, il n'y a pas de gâchis. Sachant que là, effectivement, avec un charbon maintenant, je cuis beaucoup plus. Alors, je serais tenté de refaire de la poudre de redstone et pour ce faire ben oui bon je vais en faire vraiment un tout petit peu, je vais finir ma poudre de pierre, je mets une redstone, ouais j'en ai 4 de plus, bon voilà, je pense que je vais en fait refaire un petit peu de poudre de pierre, 8 non 8 12 voilà. Voilà, j'espère que je calcule bien, je calcule un petit peu dans ma tête en même temps, 24, voilà, normalement ça devrait le faire.
Alors, donc normalement ça va être genre 8. Voilà, j'en refais. Et si je me suis pas trop gouré dans mes calculs, 1, 2, 3, je me suis gouré dans mes calculs. Voilà. Bon, ça fait déjà pas mal, hein. Regardez, j'ai quasiment une pile complète et j'ai encore d'ailleurs de la poudre magique. C'est plutôt bien. Alors, on va ranger ça. Donc la redstone, la poudre magique aussi, la pierre d'alchimie. Voilà. Où on est, ma cuisson, les 4 lingots sont là. J'ai oublié de reprendre une poudre de redstone dont j'ai besoin pour me faire une montre, tout simplement. Voilà. Pour le reste, ben, ça va être simple, je vais faire une épée en or. Je pense que maintenant, je vais pouvoir essayer de tuer des... Bon sang, des... Oui, comme vous dites. Des loups-garous. Et pour ça, il faut une épée en or, absolument indispensable. Oui, ça devrait suffire, je vais garder l'or sur moi au cas où. Et il me faut 4. Voilà, et j'ai encore une épée possible. Et voilà, donc là on est en pleine nuit. Ben, j'ai envie de me la faire tout de suite en fait. Beaucoup plus simple. Voilà, et le reste, bon écoutez, des torches, j'en ai que 20. Voilà, j'ai 28 torches, je suis à l'aise. Bon, il va falloir que je me fasse quelques équipements de réserve. On va faire des équipements étendus, bien entendu. Alors, vous allez me dire, oui, t'as plus de planche de chêne, et ça ne marche pas. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, on va essayer. Voilà, je ne peux pas faire de pelle. Mais, je peux transformer tes planches de bambou en planches de bambou séchées. Et là, oui, mais ça ne marche pas. Ben non, ça ne marche toujours pas. Mais. Quel suspense intolérable, je peux les retransformer en planches de chêne. Voilà l'intérêt du bambou. Et là, par contre, oui, mais ta gueule. Voilà, ça marche. Et voilà, on a notre prochaine pioche. Peut-être un peu tôt pour la recycler, un peu tôt. Non, 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 voilà, c'est bon, je vais pas faire 3 tonnes de trucs. Alors, par contre, on va jeter un petit coup d'œil. C'est quoi ça? Il y a du people, mais je sais pas. Hop, ça c'est des rats. Bah, les rats, on va les laisser tranquilles. Et on va aller voir nos cultures. Alors, où est-ce que ça en est? Voilà, le début de la richesse, regardez. Le soja commence à pousser, là il est brun, il est bon. On va récolter à la fois donc le produit fini qui est de la graine de soja, enfin fini au niveau de la culture. La graine de soja, enfin les haricots de soja et les graines de soja. Alors les graines de soja, j'ai bien entendu les replanter. J'en ai que 2. Voilà. Et comme là pour l'instant j'ai pas absolument besoin de nourriture, les haricots, on peut les remettre en graines. Et c'est ce que je vais refaire pour maximiser le rendement. Maintenant, oh, je peux vous dire qu'il y a un loup-garou qui est absolument pas loin. Ce qui est normal parce qu'on a vu plein de. Je sais pas comment on appelle ça, des mendiants, enfin des humains qui tiennent des loups-garous. On va récolter notre blé et on a des graines. Là, c'est pas mal satisfaisant. Mais pareil, comme on n'est pas effectivement absolument dans la nécessité, on va convertir, c'est moi qui l'ai ajouté, ça, les épis de blé en graines. Voilà, on les perd bien entendu, hein, et on va pareil hâter un petit peu le rendement de nos cultures. Voilà, tout simplement. On va voir un petit peu ce qui se passe à l'observatoire. Donc, on a vu, ils doivent vraiment pas être loin. Regardez, là, il y a un loup-garou. Je ne serais pas trop tenté d'aller le chercher et de le tuer parce qu'il donne des équipements intéressants. Écoutez, on va essayer. Enfin, je sois très prudent, mais vous savez que prudent est mon autre. Voilà, on va mettre ça là. Et mon autre nom. Est-ce que je vais pouvoir? Je le vois plus. Alors là, il y a des rats. Il y a une mouche qui fait un bruit pas croyable. Et je trouve plus mon loup-garou. Mon loup-garou, il est là. Il va falloir l'attirer. C'est possible d'attirer que lui. C'est un peu compliqué. Je crois qu'il est. En tout cas, il a bougé, donc on va pas prendre de risque. Est-ce qu'il vient? Non. Oh punaise, et le loup-garou me fout de la pétoche. Comme rarement.
Alors je regarde en l'air parce que j'entends des bruits de rats et que les rats grimpent. Il y en a un là, regardez, on voit sa queue. Et quelque part. Tu vas venir, petit fumier, quoi. Eh ben non. Ouais, je suis pas encore assez équipé pour me balader vraiment comme ça et prendre le tout venant. Il me faudrait plus d'armure. Mais par contre, le jour va se lever. Alors, ça m'intéresse. Ah, le jour va se lever. On va rester ici en embuscade et j'essaie d'avoir le loup-garou vraiment au tout dernier moment. Donc là, déjà, tout ce qui est archer, tout ça va. Ouais, je change au dernier moment, hein, parce que il faut que je bouffe une salade de fruits. Bon, ça a l'air de me remettre à toc et speed. Oh la vache, je l'ai eu. Facile avec l'épée en or. Il y en a un autre. Il y en a un autre, mais il y a un. Ah, j'aimerais bien l'avoir. Il donne des chouettes items, hein, des objets en fer. Je crois que tu m'as vu, hein. Tu m'as vu. Allez, viens. Viens, 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 viens. Et voilà. Et je me barre. J'ai eu une pomme en or, les amis, c'est bat. Voilà, avant de me faire trucider par un creeper vislard, je vais aller voir mon butin. Je me retourne même pas. Bon. Eh ben, dites voir, c'est facile avec une épée en or, mais il faut vraiment être super, super, super attentif. Je vais pas me permettre de prendre 2-3 mandales comme ça. Alors, j'ai eu deux pommes en or. Oh, bah les mecs. Une épée en fer. En pierre. Alors, normalement, ils peuvent donner des items en fer, ça m'intéressait. Mais là, bon, j'ai eu des items en pierre. Une hache. Peut coûter, voilà, j'ai besoin d'une hache. Je pense que ça me servira. C'est mieux que rien. Et j'ai pas trop usé. 20. Ça va, hein. Ça va, ça va, ça reste correct. Tandis que je peux faire mon fer. C'est tout à fait correct. Alors vous avez vu, quand j'ai mangé la salade de fruits, j'ai eu un petit bonus de vitesse. Alors ça, je savais pas. Mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors maintenant, voilà, on est de nouveau à plein. J'ai de la place pour... Non, j'ai pas assez de place pour récolter le bois. Donc... Bah, on va mettre là. Le bol, je vais le remettre là en attendant. Voilà, là j'ai décemment assez de place. Alors, j'ai encore une pelle. Qu'est-ce qu'il m'a donné d'autre comme objet? Une épée. Oh, l'épée, je m'en fous, hein. Faut que je la balance par là. Bon, oui. Non, l'épée, je m'en fous. Voilà. Et on va commencer à déraciner un petit peu tout ça. Et... Bon, aussi je perds du bois, c'est pas très grave, entendons-nous bien. Bon, de toute façon, mon avis, ma hache en pierre, elle va pas faire long feu, hein. J'entends des bruits. Ouh, ça m'intéresse. C'est une dinde. Donc ça, c'est la nourriture. Je vois des trucs passer, je ne sais absolument pas ce que c'est. Alors, il y a déjà des dindes, ça veut dire qu'il y a un prédateur, qui ont été tués. Alors, je sais pas où est le prédateur, on va déjà prendre ça. C'est un ours? Je crois que c'est un ours. Oui, vu le bruit que ça fait, c'est pas une vache, hein. Vous entendez pas, mais faites-moi confiance. Alors. Est-ce que c'est un ours qui attaque? Tous n'attaquent pas. Écoutez. Ouh! Voilà! Safe. Allez, on retourne à nos petits travaux de bûcheronnage. Bon, ça va, il n'y a pas trop. J'ai vu encore un truc. C'est un scorpion. Bon. Alors voilà, ça. Bah oui, ben faut bien le faire à un moment donné. Le problème, c'est que je vais déraciner aussi ce buisson. Alors avant de faire ça, tant qu'à faire, je vais essayer de récolter les. Dites-moi que j'ai eu la pousse. J'ai pas eu la pousse. Aïe. Bon bah donc j'ai potentiellement perdu les fruits là. J'en retrouverai d'autres, bon, mais ça m'embêtait. Allez, on y va. Boum, voilà, donc tout saute, hein, c'était prévisible. Et donc là j'ai des quarts de bûche, hein.